Alors, j'étais en train de visiter Kaelid, et là, un viaduc infranchissable, ça veut dire qu'on ne peut pas le franchir. Ouais. Ah ouais, j'ai eu mon diplôme. Bonjour. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Des lions géants ! Ouais ! Ça, c'est cool ! J'aime bien les lions. Le château du lion rouge. Ça y est, on est chez Rabban. Rabban, hein, c'est ça ? Ou Ragan, je sais plus. Oh, il y a des chanteurs. Les chanteurs à la voix d'or. Oh. 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 On dirait la musique de Final Fantasy. Une nuit. Amen. Oh. 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 Attends, c'est... C'est Radan ? Non, c'est Bled ! Bah salut Bled ! Oh bah mec, ça fait un bail ! Tu dois être au courant à présent, n'est-ce pas ? Que le destin de Rani est maintenant en état de stase par Radan. Nous voulons mettre un terme à cette stagnation, nous devons l'éliminer ! Le général Radan, le plus puissant des demi-dieux de l'éclatement, vous attend ! Avant de commencer, permettez-moi de vous conter l'histoire de Radan. D'accord, raconte. Ah. Ah. General Radan. Le général Radan est condamné à errer à jamais. Ouais, il est énorme. Rongé de l'intérieur par la putréfaction écarlate de Malenia, il a perdu la raison depuis bien longtemps. La putréfaction rouge! Je vais aller manger. Oh, ça y est, il mange des gens. Désormais, il rassemble les cadavres aussi bien de ses amis que de ses ennemis et se nourrit d'eux comme un animal. Et il est fâché là. Oh là 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 là, je sens que ça va être chaud. En hurlant vers le ciel. Bon bah, go hein! Oui, go! Téléportation enclenchée. Ah! Mais non! Ah ouais! Et comment? Putain de ta mère! Mais... Mais je l'emmerde! Ok, je dois être à cheval, j'imagine. Vu la distance qui nous sépare. Oh, il est sur un petit cheval! Je peux pas invoquer! Je peux pas invoquer! Mais je comprends pas! Ah! Je lui ai pas donné un coup. Je lui ai pas donné un coup. Bon. Je dois lui voler ses lances? Mais voilà, c'est bien ça. Putain, je suis mort de toute façon, ça sert à rien. Ok, ça part. Pas retourne dans son monde. Ah, y en a un qui est mort, c'est ça. Allez, 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 on le défonce, on le défonce. Allez les gars. Come on, come on! Allez, allez! On le schlasse, on le schlasse! Oh là là, attends, popo, popo. Go, 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 go! Oh, je me casse. Ah, oh, merde. Ah oui. Attends, attends. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde, putain?
Allez, 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 plus de potes, plus de potes. Ça me fait beaucoup penser. Alors, pour ceux qui ont vu... Attention, attention. Hein. J'ai mis le compteur. Pour ceux qui ont vu l'animé Fate Zero, ça me fait un peu penser au pouvoir de Alexandre le Grand. Voilà, c'est mes potes, qu'est-ce que tu vas faire? On y va les gars, on y va! Voilà, le cheval est mort, non? Non, j'ai rêvé. Alexandre le guerrier jard! Non, pas Alexandre! Allez, on tape. On tape les gars. On s'en fout du crit. Le sang, ça fait plus de dégâts. Oh là là, on lui a mis! Allez, maintenant on se casse. Il y a sûrement des mecs à invoquer. Là. Je sais pas où il va. J'ai pas envie de regarder. Allez, hop. Hop. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Là. Ah, il suffit d'aller dessus. Ah non, c'est bon. Tac. Vas-y, viens. Ouais. Ok, allez, on y va. On y va, les gars. Putain, et il a l'air d'être extrêmement énervé, hein. Et voilà. Et bim. Qu'est-ce que tu vas faire? Bim. Easy. Bam. Ah, le sang, c'est super puissant comme cendre, c'est ouf. Ah, ça y est, les étoiles sont à nouveau en mouvement, Rani peut se réveiller. C'est ça le délire. Et du coup, il y a un truc avec le monde souterrain maintenant. Si, je me rappelle, le lore. D'accord. Avec Godric, il est quand même... Par rapport à l'avancée dans le jeu, Godric, il est quand même au-dessus pour l'instant, quand on parle de rune majeure. Il est au-dessus de Radahn et de Rennala. Hein. Rendez-vous là où l'étoile filante a percuté la Terre. Nous prendrons les armes une fois de plus en l'honneur de Rani. Je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, c'est que le jeu est très mal foutu. Si saignement c'est OP, si la magie c'est OP, si... Utiliser c'est OP. Au bout d'un moment, le jeu il est mal foutu alors, tu vois. C'est juste ça. Si tout est OP, à part deux trucs, peut-être, je sais pas. Donc il y a une effigie de Marika dans le coin, c'est nickel. Je peux aller mourir allègrement. Ça part. Vas-y, viens, je t'attends. Hey Greedy. J'étais greedy. Putain, mais cette attaque, elle a une portée de malade. Bon, la mienne aussi, entre nous. Ça y est, il s'envole. Et voilà. Le chevalier Creuset, c'est dans sa face. Ennemi battu, aspect Creuset que. Oh là là, et c'est beau quand même. Hein. C'est beau. Ah bah. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé par ici? Ah oui. C'est donc comme ça que je vais mourir en boucle. Un palais souterrain. Là, il y a un trou énorme dans lequel j'aurais pu tomber. Et je suis dans les sous-sols, là. Nocron la ville éternelle. Oh, la classe. Pas de surprise. Ah, l'énorme porte jaune.
Allez, c'est y part. Attends. Ah. Ah, il a mon armure. Eh mais attends, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Regardez, c'est moi. C'est complètement moi. Ah, il se soigne. C'est moi. Ok, j'ai plus d'endurance. Voilà, il est mort. Oh là 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 là. Oh là là. Demande d'être précis. Oh là là. L'aqueduc de Siofra. Ici, il y a eu du combat. Ah. Oui, je peux voir contre quoi. Attends, c'est le chevalier creuset, ça. Attends, c'est quoi cette arnaque? C'est le chevalier creuset. Putain. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Pas de flèche. Je voulais lui faire quelques petits dégâts. J'ai pas de flèche. Et par là. Il y en a pas d'autres quand même. Là, il y a un chaman. Attends, c'est un chaman creuset? Putain, c'est un chaman creuset. Putain. Le cosmos s'égare. Le cosmos. Ah, gargouille vaillante. Pas n'importe quelle gargouille. Celle-ci est vaillante. Et hop là, on tergiverse pas. Mais non. Aïe. Ok, ça lui fait beaucoup de dégâts. J'ai plus de popo. J'ai déjà plus de popo, hein. Attends, quoi? Ouais, mais parfait. Bah ouais, bah en fait, je vais mourir et puis je peux revenir. Voilà. Briquet. Ok, cette flamme elle est allumée. Il y a d'autres flammes. Ouais, il y a d'autres flammes. Là-bas. C'est là-bas que ça se passe. En fait, il y a des flammes quand il y a des Majax. Je viens de capter. Let's go! Clac! Ok, ok. Quelque part, un pouvoir émane des cornes d'une dépouille. Bonjour. Je touche. Il est là. Oh, ça sent le combat à cheval, ça. Je sais pas me battre à cheval, moi. C'est de la magie. Oh, c'est de la magie. Ah, je devrais peut-être mettre des protections magiques. Attends, mais... Ok. Il est là-bas! Allez-y, les gars! Allez-y! D'accord. Allez, casse-toi, je te revois plus! J'ai plus qu'une popo, c'est la galère. Oh oh! Oh, il se soigne? Non mais mec, t'es ridicule, arrête. Oh, cette attaque. Il a absorbé des potes là, ou je rêve? Comment est-ce que je peux me débarrasser de toutes ces créatures là? Là, il y a un truc. Mais non, c'est juste qu'il y en a un qui pop. Mais ça pop à l'infini en plus, ces saloperies. Qu'est-ce que je suis censé faire?
Mais je comprends pas, à un moment il arrête de se soigner ou pas? Parce que là pour l'instant j'ai juste l'impression que c'est infini et que je le battrai pas quoi. Ah ça y est, je fatigue. Je suis plus du tout concentré. Ouais. C'est bon, je vais arrêter pour aujourd'hui Elden Ring parce que je suis plus concentré. Ça m'a fatigué là.